J'ai fait le con. Tels ont été les mots prononcés dimanche 3 décembre par Mathieu Kassovitz dans les studios de RTL, pour parler de son accident de moto survenu 3 mois plus tôt. Alors qu'il roulait sur un circuit de Lausanne le 4 septembre dernier, le réalisateur de 56 ans a été victime d'un grave accident. Se sont ensuivis plusieurs jours de coma artificiel afin de soigner ses fractures du pied et du fémur. Si tu fais du circuit à moto et que tu fais le con, bah, tu te casses la gueule. J'ai vraiment fait le con. J'ai voulu impressionner ma fille, mais comme je ne suis pas un bon motard, j'ai tapé dans un mur, a assuré l'acteur. Questionné par Anthony Martin, celui qui prépare un spectacle musical de la haine a assuré ne pas avoir eu peur, avant d'en donner les raisons, j'ai gardé conscience, déjà. Et puis après, franchement, le système français, que ce soit les pompiers, les gens à l'hôpital, la façon dont les gens vous traitent est tellement incroyable. Le niveau de professionnalisme des gens. Admis dans la foulée au Kremlin Bicêtre, celui qui incarnait Guillaume de Bailly entre 2015 et 2020, dans la série Le Bureau des Légendes a assuré avoir été très vite mis en confiance grâce au niveau tellement haut du personnel soignant. Ils ont pensé qu'il allait me couper le pied. Je me suis dit, s'ils le font, si est-ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Une expérience à plusieurs facettes. Si cette expérience lui vaut une longue convalescence, des broches externes sont toujours fixées sur son pied, elle a aussi permis à Mathieu Kassovitz de prendre conscience de l'amour qu'on lui porte. Dans l'émission Clic du 30 novembre dernier, l'acteur s'est confié à ce propos, « Je me suis réveillé avec un nombre, incalculable, de messages, soit d'amis, soit d'anciens amis, même de ma famille, qui pensaient que j'étais mort. » C'était une épreuve assez intéressante. Et pour cause, ce grave accident a également souligné la solidité de ses relations. Je pensais tellement avoir fait chier tout le monde depuis tellement longtemps que je pensais avoir réussi à mettre une distance entre les gens et moi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bruno Beber. Just me.